le bateau et c'est la première fois. J'ai vu des grands poissons et j'ai eu un petit peu peur. Et après, Mitté respire avec le truc, mais il a dit tenir avec les dents, donc Mitté tenir avec les dents et voilà. Et après, il m'avait peur. M'avait peur de l'eau, à chaque fois je me lève mon tête sous l'eau parce que m'avait peur. Et après, ben, m'a vu des poissons. Le monde a monté à moi des poissons. On avait plein de poissons. On avait, ben, le poisson était blanc, gris, et sinon on avait noir. Quand j'ai plongé, j'ai vu des calamars. On a vu des poissons. Et c'est tout. Je voulais remercier Mille Sourires d'avoir organisé cette sortie. Alors, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée découverte, récréative, et c'est surtout pour faire plaisir à tous ces jeunes marmailles de Saint-Paul qui n'ont pas toujours l'occasion de profiter, ben, on va dire, du littoral, du Grand Bleu et puis des activités aquatiques, subaquatiques, de pouvoir leur offrir cette matinée de découverte et de sensation, une belle sensation qui est le monde sous-marin. Et pour certains, je pense que ça va rester dans les mémoires et en espérant que ça leur ouvre des portes et des ouvertures pour aller un peu plus loin que cette découverte d'aujourd'hui. Voilà. Alors salut, en fait aujourd'hui on a fait de la plongée avec les enfants de Mille Sourires, l'association Mille Sourires qui a organisé et franchement c'était top. Moi j'ai kiffé, c'était la première fois que en plus Mitté fait cette activité-là, la plongée. Et le faire avec cette association, ça, c'était un truc. Au début, il m'avait peur, les gars, bien pour, mais tu ne veux pas trop plonger. Mais quand on a vu le bon petit marmaille y aller, hein, et maintenant, tu es en mode à l'aise. Mais si, bon, ça va faire longtemps, hein, quand même. Le bon petit marmaille est également. Alors, on a peur, mais dit non, non, on n'a pas peur, mais tu es obligé d'aller. Mais en fin de compte, c'est magnifique. Dessous, on voit tellement de poissons, et dessous de l'eau, tu vois le bon marmaille, en mode de tes rêves, de tes contents, et franchement, on a fait plaisir. Franchement, merci l'association Mille Sourires pour ce que vous avez fait pour ces marmailles-là. Merci beaucoup. Parce que voir votre sourire comme ça, allez, noir trouve et merci beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième, 272e opération de l'association Mille Sourires. Nous commençons cette année 2022 par une belle opération ici même à Saint-Gilles. Et on est tout heureux toujours de faire des actions sur le territoire de la commune de Saint-Paul, puisque nous sommes une association de Saint-Paul. Et donc, nous avons eu quand même quelques difficultés à commencer l'année, puisqu'avec la crise Covid et les cyclones, ça nous a quand même un peu retardé pour commencer nos opérations. Mais voilà, aujourd'hui, 2022 est lancé, une belle opération où nous avons emmené 14 enfants de Saint-Paul faire un baptême de plongée sous-marine avec l'équipe Régnier et toute son équipe à Bleu Marine. Et donc, c'est toujours une très belle découverte pour les enfants, puisqu'ils habitent sur la commune de Saint-Paul, bien entendu. On a les enfants qui sont dans la partie haute de Saint-Paul, mais également le littoral avec nos plages. Et donc, c'est une très belle expérience où les enfants, ils n'ont pas l'opportunité de faire ce genre de sortie. Donc, aujourd'hui, nous avons pu réaliser cette opération et avec une cerise sur le gâteau, puisque les enfants étaient accompagnés tout au long de leur sortie par un surprise, Titi le comique. Et ils se sont tous bien régalés dans cette sortie avec eux.